s'agit en fait de, plutôt que d'une œuvre, de quatre œuvres et de, son, de leur metteur en scène. C'est ce qu'on appelle couramment les quatre Molières, qu'avait monté Vitesse. Mais ce n'est pas les pièces elles-mêmes qui ont joué un rôle de bascule. C'est que, à cette occasion, j'ai rencontré Antoine Vitesse, qui était à Chaillot. Et moi, je ne connaissais pas grand monde vraiment dans le monde du théâtre. J'ai assez vite sympathisé avec lui, je ne suis pas devenu un ami. Mais nous avons eu des relations assez sympathiques et je lui ai aussitôt demandé. Il y a deux choses qui se sont passées. D'une part, je lui ai demandé de venir assister aux répétitions, parce qu'il n'avait pas fini. Et donc, allant aux répétitions, j'ai vu quelque chose qui m'a, alors là, laissé sur le derrière. C'est-à-dire, j'ai vu un metteur en scène qui avait fait apprendre aux comédiens le texte par cœur, les quatre pièces, et il ne les dirigeait pas sur la manière de jouer ou de dire, il les faisait courir sur le plateau et il leur faisait donner le texte dans la courte, dans l'énergie du corps qui court. Et en discutant avec lui, mais le sens, je ne sais pas si je le voyais déjà à l'époque, il m'a dit, mais non, c'est d'abord l'énergie physique, le sens viendra après et dedans. Ça doit passer par l'énergie du corps, par l'énergie de la vitesse, et par ce qui se crée sur le plateau, dans cette énergie, et le rapport de corps et de vitesse entre eux. Et la langue, les mots vont sortir dans ça, et le sens va advenir. Alors, c'était évidemment très très étonnant, j'avais vu pas mal d'autres, j'avais quand même vu quelques autres répétitions dans ma vie pour d'autres raisons depuis quelques années. Et là, ça a été une vraie rupture. Ça a changé mon écriture, évidemment, parce que ça devenait une écriture de rythme. Le sens devait passer par le rythme même de l'écriture, ce qui est devenu aujourd'hui quelque chose qui fait que j'écris comme une partition musicale, c'est-à-dire pour le corps, pour la voix, et la voix comme corps. Donc, vous voyez, ça...